Asante sana kwa kuakompanye Mwishida. Monsieur le commandant de la 34e région militaire, monsieur le commandant de la 34e base navale, na epaya bino nyoso boyaki na mokolo ya lelo kwa kompanye biso na matanga oyo tozongisi libino. Merci mingi. Nalingi na loba na lancer message moko epai ya ba omoni makambo baza koloba loba awa eza malamu te. Bataba omoni militaire. Ba soda soki ba kufi. Prédication, c'est-à-dire nazo exhorté bino prochainement. Bomeka kozonga. Na prédication abiso ba soda. Bible. Elobi na maematali ba soda. Moussala Nabiso et Zali Moussala noble. Yako Kenge la Mboka, Batupe le Kola. Tango sa koleka, ozo prêché au lobby, soki on dit makite, ogo kenda lifel, soto kenda kalifel au te. Moussala Nabiso et Zali Moussala Yaliwa. Eza musala oyo totie makila na biso pona ekolo. Kokufa pona ekolo. Tango ba konzo ba kufi, ba ke directement parlo. Ba sali mabe na mutute. Ba koti musala soda pona kokenge la mboka, batu na biloko na bango, wana nde mission regalienne ya ba soda. Oyo matea ya ndenge wana, mokotea ya ngo pona koyebisa ba soda. Oyo batikali, ba kontinue bituma, pona kodefendre ekolo, na pli ya makila. E dezorme, ba omonye, omonye dan chef, ya 34e région militaire, ba omonye, nabanzi omonye ya oya akompanye ki biso na musala oto osala. Omonye ki mangiste akompanye ko na 3e zone de défense, ye pe azolanda. Désormais, eloko oyo na oti koloba, ekotika akola instruction, e pa ya ba omonye nyonso. Na tango ya matanga, il faut ko exhorter ba soda. Ba kenda liboso. Balembalembalemba te bakenda liboso kodefendre mboka po mokolo akokufa po na ekolo bazokenda lola. C'est ce que la Bible déclare. Ki na loba po na baofisier mibale oyo Colonel Zahir na Colonel Paka. Et ça va officier Oyo, n'a commandé, n'a banzi, ça fait 20 ans, bazo quoi y'a kaka n'a commandé en anglais. N'a habitumba et belé tout ça y'a wa, quand dengue ba honorable ba outa ki koloba awa. C'était des officiers exemplaires. Oyo, colonel Zahir n'a eu bien, n'a dernière opération n'a saï n'a eu, a eu sous commandement en anglais. Et ça qui n'a ouvira. Là, il commandant secteur. Il a ouvira. Il y a Zala qui moko va commandant régiment. Nangaï n'a moko. Colonel Paka, c'est-à-dire, n'a évité ce que nous avons dit. Comment on a
lelo ndenge balali awa boye ezali kopesa ngai esengo pe mawa mawa pona nini bakufi na tango oyo mboka na biso ezali agressé wana naza koloba ngo lokola soda na koloba ngo lokola civil te soda tozalaki na bango besoin na minute oyo mboka na biso ezali agressé bino mobolandaki na bilili okonzela mboka alobaki to se prepare mpona kodefendre mboka bana na biso oyo batemi pembeni bayebake mboka na biso ezali agressé na banguna na bamosusu bauti libanda oyo akati bana na biso base prepare mpo bitumba ebandaka toyebi nini mokolo ekosila bose prepare kokota na mosala soda mpona kodefendre mboka mibale bakei batiki biso mibale baya kokota na mosala soda mpo mboka ezala defendu nakoloba mpo na famille tozali na mingi ya koloba te atuna ningi ya kweza kongea apa naongea na diadrese ningi ku babibi yetu ambayo bakano wawili banaacha wajamaa pia kungambo ya Colonel Paka na Colonel Zahir kungambo ya batoto ya Colonel Paka na Colonel Zahir tunawapolesha kwanza na kwa jina ya President ya Republique Commandant Supreme ya Force Armée de la République Démocratique du Congo kwa jina ya Chef d'État Major Général kwa jina ya officier yote ya FRDC ya Force Armée de la République Démocratique du Congo kwa jina ya askari wote ya jeshi lote la Congo mupokee pole na tunawaambia sisi ni kawaida kukufa ni tofauti na nini kwa mfano masivilian wa civilian wakati wanawaambia kusema eske unajua sasa utakufa siku moja atasema ndiyo kama unamwambia unajua utakufa leo asema leo hapana lakini sisi waskari ndio kitu natusukuma kwenda kupigana kuvita tunajua kule tunaenda huko kifo lakini tunaenda jua kuwadefendre nini kudefendre nchi mafikiri ya kwetu conception ya kwetu ubia lecture ya kwetu ya kifo iko tofauti kidogo na nini kwa siku ya leo ndugu anaenda na sisi tutaenda pia tunawapolesha na kuambia kusema message na watumia ya mkuu wa nchi na chef d'état major général ni kusema mpole na jeshi itabakia kuwakompanye maavantage yote ile au wandugu zetu wanatwacha walikuwa nayo kabla wakuba wa decide juu ya kuweza kuverse situation ya kwao ku ma institution ambayo inagere vifo na baretrete asante Mungu awabariki sana na upatie nguvu. Honorable députés nationaux, Excellences, Messieurs les ministres nationaux, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, Honorable députés provinciaux, Monsieur le Commandant 34e Région militaire, mon général, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux en sursis, Monsieur le Commandant 33e Groupement Naval Amiral,
Monsieur le maire de la ville de Goma, messieurs les officiers, sous-officiers, gradés et soldats, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, membres de la famille des illustres disparus, chers compagnons d'armes, aujourd'hui, la 34e région militaire est en deuil. Nous voici réunis ici par la volonté du Tout-Puissant pour accomplir un devoir douloureux et difficile, mais tout à fait honorable, qui est celui de retracer brièvement la carrière de nos deux compagnons d'armes qui viennent de nous quitter pour l'au-delà. J'ai cité le regretté colonel Ndaliozranye Saïd Moïse, matricule 172, 93, 36, 24, 576, qui était en stage à l'école de commandement et d'état-major, session spéciale à Kitona, et transféré par la maladie d'urgence à l'hôpital militaire central du Kafokolo, d'où nos personnels de santé l'ont à leur tour transféré pour une bonne prise en charge à l'hôpital Mohamed VI au Maroc, où il succombe le 20 juin 2022. Colonel Paka Kalamo Claude, matricule 17 40 65 036 513, qui était rappelé pour la consultation par notre hiérarchie, a été également surpris par la mort le 21 juin 2022 à l'hôpital central du Kafokolo, d'où il était pris en charge pour une courte maladie. Beaucoup d'entre nous se poseront la question de savoir qui étaient les personnes qui nous accompagnaient aujourd'hui à l'heure de notre mère. En effet, le colonel Ndaliozranye Saïd Moïse est né à Bukombo le 2 février 1972. Fils de Ndaliozranye Kishaili et Darvania Mukabilede, originaire de la localité Chayemba, groupement de Bukombo, secteur de Bouito, territoire de Rutshuru, province d'Inokivu. Il était marié à la veuve répondante au nom de Nirabazaïwa Kaindo Imakile et père de 10 enfants, dont 5 filles et 5 garçons. À l'issue de ses études primaires à Birambizo, secondaire à l'Institut Birambizo, il était incorporé dans l'armée en 1996 à Matebe, dans le territoire de Rutshuru. Après son centre d'instruction sur place, il a été nommé successivement lieutenant-colonel par l'ordonnance numéro 10-082 en date du 13 décembre 2010 et puis colonel par ordonnance numéro 13-011 en date du 23 mars 2013. Il a occupé tour à tour des fonctions ci-après. De 1996 à 1998, il était commandant bataillon Alpha. De 2005 à 2008, il était commandant 93e bataillon. De 2008 à 2010, il était commandant 431e brigade d'infanterie. De 2010 à 2013, il était le commandant second chargé des opérations et des renseignements
au 1010e régiment à Chabunda. En 2013, il était le commandant ex-1005e régiment dans la plaine des Ruzizi et à Chabunda au sud Kivu. En 2014, il était le commandant ex-1003e régiment. De 2016 à 2019, il était le commandant 3305e régiment à Lulimba au sud Kivu. Et enfin, commandant 3412e régiment, la fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort, qui était implanté à Nyamilima. Homme du devoir et du courage, il a participé à plusieurs campagnes pour la défense de l'incrédulité, de l'intégrité plutôt, de notre beau et grand pays, notamment la guerre de libération de l'Alliance des forces démocratiques pour la révolution du Congo en 1996, AFDL en sigle. La guerre contre le mouvement CNDP en 2009. La guerre contre les M23 qui était défait par, j'ai cité, paix à son âme, le général Bahouma en 2013. La guerre contre les FNL en 2017 à la plaine des Ruzizi. La guerre contre Yakutumba en 2018 du côté de Fizi à Lulimba. Évidemment aussi, la guerre d'éradication des groupes armés locaux dans notre province du Nord-Kivu. Notre compagnon d'armée, colonel Paka Kalamo Claude, matricule 17-40-65-036-512, est né à Bolemana le 1er janvier 1974. Fils de Kalamu et de Nabinois Georgette. Il était originaire du secteur de Baoundé, territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Évidemment, il était marié à la veuve Sifa Kamari Foib et père de 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Après ses études secondaires, sanctionnées par les diplômes d'État en pédagogie générale, il s'est fait incorporer dans l'armée en 2006 lors de la réunification après les conclaves de Saint-City. Il a été directement nommé colonel par ordonnance numéro 10-082 en date du 31 décembre 2010 dans le quota de leur représentativité. Il a exercé plusieurs fonctions, notamment de 2009 à 2010, commandant second chargé des opérations de renseignement au 20e secteur à Katale. De 2010 à 2012, il était commandant second chargé des opérations de renseignement au 21e secteur à Walikale. De 2012 à 2013, il était toujours commandant second chargé des opérations de renseignement au 2e secteur à Rutshuru. Et enfin, en 2021 à 2022, il était commandant régiment service en intérim, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Voilà rappelé de manière succincte la carrière de nos compagnons d'armée, rappelée à l'au-delà. C'est avec émotion que nous nous tournons vers toute la famille, veuve et orphelin, ainsi que les proches, pour présenter au nom du commandant 3e zone de défense, en particulier, et du militaire de la 34e région militaire en général, les condoléances les plus attristées. Telle est la loi de la nature, dit-on pour les chrétiens dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 2, je cite, « Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qu'il a été planté. » Fin de citation. Très chers compagnons d'armes d'Aïrolan et Zahir Moïse, mon colonel,
Paka Kalamo Claude, mon colonel, vous nous quittez au moment où la nation avait encore besoin de vous pour la défense de la patrie. Et elle vous exprime sa plus grande reconnaissance pour les sacrifices que vous avez consentis. Dormez en paix. Dormez en paix. Dormez en paix, chers compagnons d'armes, et que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Musique, garde à vous.